Bonjour à tous. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2024 pour le signe des Poissons. Donc comme pour tous les autres signes, donc j'ai fait un horoscope dit général ou solaire, hein, c'est-à-dire que je me base que sur le soleil de naissance. Donc on prend pas toutes les autres planètes du système solaire, parce que là c'est en fonction de votre thème personnel. Donc il faut la date, l'heure et le lieu de naissance pour qu'on puisse établir un thème personnel, un horoscope personnel. Pour ça, il faut voir avec un astrologue pour plus de précision. Donc là, ça reste très général, donc il faut prendre ça avec recul, hein, bien sûr. Donc là, je vais faire les trois décans des signes de poisson. Donc, premier décan sont les natifs nés du 20 février au 1er mars, de manière générale, hein, donc ça dépend des années. Il y a des années bissextiles, donc forcément, le soleil traverse ce signe, pas forcément tous les 20 février de chaque année. Hein, ça peut être 19, 20, 21, voilà, ça dépend. Par exemple. Pareil pour les autres dates. Ensuite, deuxième décan, donc du 1er mars au 10 mars, pareil de manière générale. Et troisième décan, du 10 mars au 20 mars. Voilà, donc je vais commencer donc par le premier décan du signe des Poissons. Voilà, donc quelles seront donc vos influences donc natives premier décan du signe des Poissons. Donc vous aurez déjà votre Soleil qui sera conjoint à Saturne, donc dans votre signe en Poissons, hein, du 1er janvier au 2 mars. Donc là, il y a 3 premiers mois où il y a quelque chose d'important qui se met en place sur le, d'un point de vue constructif, d'un point de vue sérieux, quelque chose qui se met en place de manière intéressante. Alors ça peut être dans plein de domaines de vie, ça peut être au travail, mais pas que, ça peut être en amour, dans des relations, voilà, pour d'autres situations, selon votre thème. En tout cas, il y a quelque chose d'important là qui peut être intéressant à vivre, un début de construction. Hein. Donc quelque chose qui vous tient à cœur, un idéal, hein, de vie qui peut être mis en place. Ça peut être une relation avec un homme, par exemple, un père, un mari, une autorité ou que sais-je. Sinon, ça peut être pour d'autres relations que ce soit. Donc c'est une conjonction, donc elle peut recevoir aussi des mauvais aspects, donc tout dépend, là c'est pour les bons aspects, on va dire. Si elle reçoit des mauvais aspects, attention en revanche au risque de frustration, de blocage, pour ressentir la privation. Donc ça peut être avec un homme, ça peut être la fin d'une relation avec un homme, par exemple, où on est frustré par rapport à un homme, il peut y avoir voilà, quelque chose un mur qui se dresse entre vous, donc il peut y avoir quelque chose de froid, vous pouvez vous sentir un peu plus froid aussi, plus taciturne, un peu plus grave, un air plus sérieux, grave. Donc voilà, donc à relativiser donc selon chaque fois le thème, hein, il faut voir après votre thème. Donc bon, c'est un aspect quand même important en ce début d'année. Donc à suivre. Hein. Ensuite, vous avez Soleil sextile Jupiter en Taureau du 1er janvier au 21 février. Donc là, c'est un bon aspect pour l'épanouissement, pour vous sentir à l'aise, bien dans votre peau, dans vos baskets. Donc il peut y avoir voilà, de l'enthousiasme, on peut faire des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être dans le domaine matériel, financier, mais pas que. Ça peut être en amour ou autre, amitié, selon votre thème, encore une fois, hein, il faudrait voir. Ensuite, vous aurez Soleil carré Jupiter en Gémeaux du 26 mai au 9 juillet. Donc là, en revanche, c'est un excès dans les échanges, la discussion, les déplacements. Donc attention de ne pas trop s'éparpiller, de ne pas trop parler aussi, de ne pas trop en dire, de révéler des secrets. Hein. Ça peut vous retourner contre vous, donc attention à ce que vous pouvez dire. Là, on veut trop peut-être échanger, on a besoin de parler, ou peut-être trop en faire, hein. On est trop à l'aise, peut-être dans certains domaines. Et peut-être trop éparpillé, dispersé. Donc voilà, soyez un peu plus recentré, attentif à ce moment-là. Ensuite, Soleil sextile Mars en Capricorne du 5 au 18 janvier. Donc pareil, en début d'année, là, vous avez une bonne énergie pour agir dans tel domaine que ce soit. Donc ça peut être au travail, mais pas que, dans d'autres domaines de vie. Vous voulez atteindre vos buts, hein. Donc c'est lié avec le Saturne en Poissons, Mars en Capricorne. Donc c'est lié, donc ça peut être bien, par exemple, pour le travail, pour arriver à des buts, à mettre en place des choses de manière pratique, et il faut agir en ce sens. Et quand vous agissez, là, ça peut être, vous allez jusqu'au bout des choses, quelles que soient les difficultés. Donc là, c'est assez, c'est énergie d'endurance, de persévérance. Donc ça, c'est vraiment important et très, très positif pour vous en ce début d'année. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Poissons du 23 mars au 5 avril. Donc là, le Soleil conjoint à Mars dans votre signe. Donc là, beaucoup d'énergie sur le plan des idéaux, vous allez agir en ce sens. Donc peut-être encore une fois, voilà, plein de choses à faire pour faire ce qui vous tient à cœur. Donc on peut agir en conséquence, mais attention aussi de pas se tromper dans ce qu'on peut établir, parce qu'on peut fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats.
si cet aspect, si cette conjonction est mal inspectée, hein, parce que là c'est une conjonction, donc tout dépend des aspects qu'elle va recevoir dans le thème. Donc après, il faut voir encore une fois au cas par cas. Ensuite, Soleil sextile Mars en Taureau du 10 au 23 juin. Donc là, encore une fois, une très bonne énergie pour agir de manière productive, constructive. Vous pouvez mettre des choses en place, qui vous plaît, qui une bonne énergie là pour faire plein de choses dans certains domaines de votre vie. Donc encore une fois, tout dépend de dans quel domaine de vie cela tombera selon votre thème. Ensuite, Soleil carré Mars en Gémeaux du 21 juillet au 4 août, donc une partie de l'été là où vous serez un peu en tension, il peut y avoir des querelles, des disputes, des échanges, des divergences d'idées, hein. Vous pouvez mettre en place aussi des choses pratiques, ou les faire des choses et c'est pas toujours bien vécu ou bien accepté, il peut y avoir de la dispersion, peut-être à droite à gauche, on peut être un peu pas toujours présent, il peut y avoir des incompréhensions, voilà, donc attention à ce qui peut être dit, fait, ça peut être un peu problématique. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Cancer du 5 au 23 septembre. Donc là, en revanche, encore une fois, une bonne énergie pour agir en fonction de vos intuitions, de vos humeurs, de vos émotions. Bonne énergie, là, vous êtes très intuitif, signe d'eau tous les deux. Donc là, c'est très positif pour ça. Donc ça peut être pour la famille, le foyer, mais pas que. Ça peut être dans d'autres domaines de vie, hein, selon votre thème. Donc là, à voir, et donc très intéressant à ce moment-là. Et Soleil Quinconce Mars en Lion du 5 novembre au 31 décembre. Donc là, c'est un aspect de semi-tension, hein, c'est pas méchant, c'est léger. Sur des choses que vous voulez mettre en place, peut-être un peu de manière un peu trop vindicative ou comment dire un peu trop imposante. Il peut y avoir vouloir agir de manière trop voyante, en amour ou autre. Et des fois, on est un peu trop. Ça peut être un peu mal vu, ou ça peut créer des légères choses à revoir, des petits accros, mais c'est pas méchant. Voilà donc pour vous, premier décan pour 2024. Donc ensuite, je parlais du deuxième décan du signe des Poissons. Alors, vous, deuxième décan, donc, quelles sont vos influences pour 2024? Donc, vous aurez Soleil sextile Uranus en Taureau du 1er janvier au 13 mars. Donc ça, c'est un bon aspect pour la liberté, pour vous sentir plus libre, indépendant, pour sortir des sentiers battus, pour faire ce qui vous plaît sans contrainte. Donc, vous pouvez être un peu original, un peu décalé, un peu excentrique. Mais c'est bien vécu, hein. Il y a un côté qui est assez intéressant, un peu, qui sort de l'habitude. Hein. Bon, ça reste en taureau, donc c'est pas non plus trop, voilà, c'est pas trop non plus trop décalé, mais c'est un côté, voilà, un petit peu, vous sentiez plus libre, donc c'est intéressant. En ce début d'année, donc il y a des opportunités qui peuvent arriver sur vous, donc n'hésitez pas à les saisir, ou voilà, c'est bien vécu, voilà. Donc intéressant à ce niveau-là, ça peut être la relation avec un homme aussi, par exemple, pourquoi pas. Pour une femme, un homme, que sais-je. Alors ensuite, Soleil conjoint Saturne en Poissons du 2 mars au 31 décembre. Donc là, bon aspect pour établir des choses concrètes. Vous êtes plus sérieuse, plus posée, plus persévérant, plus vous voulez construire des choses dans ce qui vous tient à cœur, certains idéaux de vie. Donc là, c'est bien pour mettre en place certaines choses, être constructif. Après, tout dépend encore une fois comment cette conjonction est vécue, parce qu'elle peut être plus ou moins bien vécue, hein, selon les aspects de votre thème perspectif. En bon aspect, donc c'est ce que je viens d'énumérer, mais en mauvais aspect, par contre, ça peut faire des blocages, des restrictions, des privations, donc ça peut être plus frustrant. Ensuite, Soleil sextile Jupiter en Taureau du 22 février au 14 avril, donc là, c'est un bon aspect pour l'épanouissement, pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous tient à cœur, vous vous sentez épanoui, enthousiaste, bien dans votre peau. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui peuvent se mettre en place à ce moment-là, dans certains domaines de vie. Alors, ça peut être au niveau matériel, en taureau ou financier, mais pas que. Ça peut être dans d'autres domaines de vie. Donc voilà, il y a des choses intéressantes pendant cette période. Ensuite, Soleil carré Jupiter en Gémeaux du 10 juillet au 10 septembre. Donc là, attention, hein, cet été-là qui risque d'être un peu dans l'excès, hein. Vous pouvez en faire trop, être trop à droite à gauche, trop parler, trop dire les choses, peut-être tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire certaines choses, parce que ça peut vous jouer en votre défaveur. Vous êtes un peu un moulin à parole, alors que c'est pas quelque chose qui, en général, est votre ressort. De manière générale, bien sûr, il y a des poissons qui sont très bavards, mais en général, on dit que le poisson est un signe mutiste, hein, qui est plus dans l'écoute et dans le ressenti, plus que dans la parole. C'est pour ça que le signe est en carré avec le Gémeaux, qui est un signe de communication très intellectuel. Donc voilà, ça crée cette dichotomie. Ensuite, Soleil sextile Mars en Capricorne du 18 au 31 janvier. Donc là, très bonne énergie pour agir de manière efficace, persévérante, endurante, pragmatique.
Donc là, vous allez au bout des choses, atteignez vos objectifs, que ce soit dans le travail, mais dans d'autres domaines de vie, hein, selon votre thème. Donc là, ça peut être intéressant pour agir en ce sens. Donc n'hésitez pas. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Poisson du 5 au 18 avril. Donc, bon aspect pour agir en fonction de vos idéaux, dans vos ressentis. Vous avez beaucoup de ressentis, hein, vous êtes Poisson. Donc là, Soleil et Mars sont dans votre signe, donc ils s'allient pour le meilleur. Alors, ça peut être pour le pire aussi, hein, s'il y a des mauvais aspects. Donc attention aux tensions, ça peut être des coups d'épée dans l'eau. Vous pouvez agir, mais pas avoir les résultats escomptés, ou des conflits d'ego. Il peut y avoir des petites disputes, là, donc faire attention, là. Vous êtes, des fois, vous pouvez être mal compris, ou vous êtes mal perçu. C'est pas toujours clair, c'est un peu flou, des fois, le poisson, donc, dans leur façon de s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'il faut être très pragmatique à ce moment-là. Soleil sextile Mars en Taureau, ensuite du 23 juin au 6 juillet, donc très bon aspect. Là, bon, encore une fois, pour agir, être productif, pour faire des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être sur le plan matériel, financier ou autre, selon votre thème. Donc là, très bonne énergie, hein, agissez en ce sens, vous avez beaucoup de travail à abattre, hein, vous êtes productif, donc ça c'est bien. Ensuite, Soleil carré Mars en Gémeaux du 5 au 19 août, donc un été encore une fois où peut-être la chaleur va vous taper sur la tête. Il peut y avoir des tensions, des discussions, des conflits de voisinage, des conflits d'ego. Peut trop en dire, trop en faire. Vous voulez mettre en pratique certaines choses, des idées que vous avez envie de faire, et peut-être c'est mal perçu, mal vu. Donc à voir après en fonction du thème de chacun, bien sûr. Soleil trigone Mars en Cancer, ensuite du 23 septembre au 12 octobre. Donc là, bon aspect pour agir de manière émotionnelle en suivant vos instincts, vos émotions, votre intuition. Parce que là, deux signes d'eau, donc très alerte. Vous avez les antennes très très à l'écoute, très très dans le ressenti. Donc là, c'est vraiment positif pour vous. Vous vous trompez pas en général dans cette période. Donc là, n'hésitez pas à agir en ce sens. Ça peut être pour la famille, le foyer, mais dans d'autres domaines aussi de vie, hein. Et Soleil opposé Lune noire en Vierge du 1er janvier au 31 mars. Donc là, il peut y avoir une certaine tension. Un problème de manque, comment dire, c'est un aspect karmique, on dit, donc ça peut être un aspect où on est un peu dépassé, il peut y avoir des choses à revoir sur le plan du quotidien, du travail, de la santé, des choses peut-être qui peuvent vous brimer avec vous-même, votre image que vous donnez, il peut y avoir un sentiment de un peu de manque, de dévalorisation aussi. Ça peut être aussi avec un homme, il peut y avoir un problème de tension, une zone d'ombre avec un homme, une autorité, un père, un mari, que sais-je, quelque chose, un truc un peu compliqué à vivre. Donc à voir selon, encore une fois, le thème de chacun. Donc voilà, j'ai terminé pour le deuxième décan, donc maintenant je vais faire le troisième décan du signe des poissons. Et donc enfin, donc le troisième décan, donc vous, quelles seront vos influences pour 2024? Donc vous aurez votre Soleil sextile à Pluton en Capricorne du 1er au 21 janvier et du 2 septembre au 19 novembre, donc début d'année et fin d'année en gros. Alors c'est surtout pour les natifs nés en fin de Poisson, donc vers le 19, 20, 21 mars, on va dire. Voilà, donc c'est surtout vous qui serez concernés, on va dire, hein, d'une manière générale, parce que Pluton est une planète très lente. Donc elle impacte vraiment les natifs de cette période-là. Donc plus, voilà, il y a une façon en vous de régénération, de changement, de transformation importante, peut-être en fin de cycle de quelque chose qui s'était mis en place, donc vous terminez peut-être quelque chose d'important dans votre vie, là, de manière positive, hein. Quelque chose qui se régénère dans votre vie, ça peut être dans le travail, un nouveau travail. Ça peut être dans d'autres domaines de vie, hein, donc selon votre thème, encore une fois, il faudrait prendre un peu cas par cas. Malheureusement, je peux rester que général. Sinon, ça serait mentir. Ensuite, donc Soleil conjoint Neptune en Poisson toute l'année. Donc là, encore une fois, aspect important, en demi-teinte aussi, selon les aspects qu'il reçoit. Donc si cette conjonction reçoit des bons aspects, bah, vous êtes très favorisé sur le plan de l'intuition, hein. Neptune, c'est votre planète, donc elle est chez vous, en domicile. Et donc, bah, votre soleil conjoint, ça rajoute de l'importance, hein, ça fait briller de mille feux vos capacités médiumniques, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément que sur le domaine de l'invisible, du médiumnique, ça peut être aussi en rapport avec l'artistique. Vous êtes inspiré, il y a de l'inspiration qui vient en vous. Donc, il y a quelque chose voilà, de très, très, très magique là, qui peut se créer en vous, donc très, très bien. N'hésitez pas à jouer votre intuition si tout est bien inspecté dans votre thème. Donc là, il y a des choses, il faut vraiment faire jouer votre intuition. Là, vous serez vraiment inégalable à ça. Par contre, si vous recevez des mauvais aspects, donc attention, selon les aspects que ça reçoit, ça peut être des déceptions, ça peut être de l'illusion. Vous pouvez être trompé dans
l'image d'un homme, par exemple, que vous êtes faite, d'un mari, d'un père ou d'une autorité. Ça peut être aussi, vous êtes un peu dans le brouillard, hein, c'est pas toujours clair dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voyez, donc attention, si c'est dans la communication, au niveau affectif, hein, voilà, après selon les aspects que ça reçoit. Ensuite, Soleil sextile Uranus en taureau du 14 mars au 31 décembre, donc là encore une fois, un bon aspect pour être libre, pour vous sentir libre, indépendant, peut-être sortir un peu des sentiers battus, d'avoir un peu cette envie de changement, d'avoir un bol d'air frais, de voir autre chose. Donc là, c'est bien, vous pouvez utiliser cet aspect à ce moment-là pour vivre tous ces domaines de vie, hein. Alors, ça peut être dans tel ou tel domaine de vie, travail, amour, famille, santé, que sais-je. Donc là, il faut voir encore une fois cas par cas. Ensuite, sur les sextiles Jupiter en taureau du 14 avril au 25 mai. Donc, encore une fois, un bon aspect pour vous sentir épanoui, intégré, chaleureux, enthousiaste, bienveillant. Vous êtes bien dans votre peau, dans vos baskets, donc vous avez envie de partager peut-être à autrui votre joie de vivre, donc ça c'est bien, c'est positif. Donc ça peut être aussi dans la relation avec un homme, par exemple, un mari, un père, avec d'autres personnes, donc là, voir sur votre thème. Hein. Ensuite, Soleil carré Jupiter en Gémeaux du 11 septembre au 31 décembre, donc là il peut y avoir un nouveau, alors un aspect, bon, pas forcément grave, mais un peu de suffisance, on est un peu dans l'excès. Il faut en faire trop, on échange peut-être beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements, peut-être en faire un peu trop, être vaniteux, orgueilleux, donc peut-être revoir un peu vos préjugés, votre façon d'être, de faire, car ça peut être parfois un peu trop suffisant, un peu trop mal perçu, on va dire. Soleil carré Mars en Sagittaire, ensuite en début d'année, du 1er au 4 janvier, donc là vous êtes. Il y a un peu de friction, peut-être un peu en tension, peut-être des petites querelles là sur des plans idéologiques, peut-être des blessures aussi. Attention aux déplacements, vos voyages, ce que vous entreprendrez, le sport ou autre, par exemple. On peut se blesser éventuellement. Donc voilà, c'est un peu attentif à ce moment-là. Ensuite, Soleil sextile Mars en Capricorne du 1er au 13 février. Donc là, en revanche, bonne énergie pour battre du travail, pour aller au fond de vos objectifs, au but que vous êtes fixé. Hein, Mars en Capricorne, il est exalté, donc ça c'est une très bonne position pour aller être endurant, persévérant jusqu'au bout de ce que vous êtes fixé. Donc n'hésitez pas, hein, si dans le travail affectif ou autre, vous serez aidé. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Poisson du 18 au 30 avril, pareil, très bonne énergie pour agir en fonction de vos idéaux. Encore une fois, si l'aspect, enfin cette conjonction est bien aspectée dans votre thème, par contre, si c'est mal aspecté, vous pouvez vous tromper dans la cause que vous croyez défendre, donc vous pouvez avoir des coups d'épée dans l'eau. Vous agissez en gros avec beaucoup d'énergie pour pas grand-chose et faites attention de être bien quand même un peu les pieds sur terre, de pas trop être dans vos nuages, hein, ce que vous avez tendance à être souvent, hein, les poissons. Donc pour pas, voilà, pour pas vous tromper dans ce que vous voulez faire, vous imaginez. Ensuite, Soleil sextile Mars en Taureau du 7 au 20 juillet. Donc là en revanche, une bonne énergie pour être productif, pour agir dans ce sens. Donc faites ce qui vous plaît, vous pouvez. Ça peut être bien sur le plan aussi intime, hein, sexuel, pourquoi pas. Ça peut être bien dans d'autres domaines de vie. Donc tout dépend encore une fois du thème de chacun. Soleil carré Mars en Gémeaux du 20 août au 4 septembre. Donc là, en revanche, attention à un nouveau risque de dispute, hein, querelle, conflit par rapport à des idées, hein, peut-être des choses que vous voulez mettre en place qui n'est pas toujours bien vécu. Vous pouvez être dispersé, être à droite à gauche, pas toujours présent, ça peut être mal interprété. Donc soyez attentifs à ce moment-là, ça peut être avec le voisinage, hein, Gémeaux, les frères et sœurs, cousins, cousines par exemple, mais pas que. Donc on va voir selon votre thème. Et ensuite, Soleil Trigone Mars en Cancer, du 12 octobre au 4 novembre. Donc là, à nouveau, une bonne énergie en ce qui concerne vos intuitions, hein, signes d'eau, poisson, cancer. Donc vous agissez avec l'émotion, selon vos ressentis, votre humeur, et donc quand vous êtes très, très intuitif, bah, vous serez aidé à ce moment-là, vous ne vous tromperez pas dans ce que vous ressentez. Donc suivez bien votre intuition, c'est positif pour vous. Alors, ça peut être agir dans le sein du foyer, de la famille, en cancer, mais pas que. Ça, tout dépend de votre thème, encore une fois. Et enfin, Soleil opposé Lune noire en Vierge, du 1er avril au 29 juin. Donc là, attention, il peut y avoir un manque par rapport à un homme, un père, une autorité en vous-même, une dévalorisation de vous-même, par exemple. Comme une zone d'ombre à ce moment-là, sur peut-être des échanges qui ne sont pas très clairs ou des choses qui vous perturbent. Ça peut être dans le travail quotidien, la santé, dans les choses à faire. Donc à voir encore une fois, qu'est-ce qui peut être selon votre thème.
Donc voilà, bah, j'ai terminé donc l'horoscope 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, si c'est pas déjà le cas. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez tout en détail donc sous la vidéo, comme ça vous aurez votre horoscope personnel. Quant à moi, bah, je vous dis bah, à une future prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2024, malgré qu'elle ne sera pas forcément facile sur le plan mondial, mais bon, à voir, on va suivre ça. En tout cas, au niveau personnel, voilà, je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, au revoir.